là. Suite de mes aventures, enfin, après moult réglages. Et n'oubliez pas que je suis un ninja. Pardon. Du coup, je me laisse distraire par des bêtises. Oui. Maudit rat, toujours à se planquer dans les coins sombres. Je suis pas tranquille. Qui est là? Ah non, ça les alerte tous. Je vais vous découper en morceaux. En morceaux toi-même. C'est tout ce que j'allais faire. C'était censé m'impressionner. Quick. On m'a quické. Ah ouais, bien cette arme. Ah oh merde, faut que je fasse usage d'une potion parce que je les vois pas là, sans déconner. Si vous êtes à 50 contre moi, oui, je crevais. Oui. Ah, ah. Oh, Yes. Vous allez mourir. Oui, je sais. Et c'est moche. J'avais pourtant une grande destinée qui m'attendait. Vilain. Mais tu parles sur la lumière, donc je vais te repérer.
Allez, viens, ma grande. J'ai l'air de la chance. Non, tu ne mourras pas. Si. Oh, le coup. Oh merde, l'usage de la magie elle aussi. Mais c'est la mort qui t'a assassiné. C'est la mort. Normalement, c'est là que vous vous effondrez et que vous. Ça ne veut rien dire. Je suis déchaîné ce soir. Excusez-moi. La forgeronne, la polstronne, lui. Quoi de neuf? Le mari noir est plus dangereux que jamais. Beaucoup de colons ont disparu. Et la plupart des non-argoniens sont partis terrifiés. J'ai entendu beaucoup de choses sur le marais noir. Cet endroit a l'air vraiment mystérieux. Au revoir. Prenez soin. Attends, moi ce qui me pose souci, c'est que je les vois pas. Oh la vache, ils sont loin ces idiots. Tellement long que je les vois plus. Ma copine qui est là. Bonjour, ma copine. Elle ne veut plus rien dire. Ce combat de fou. J'ai dit lumière. Ah, ça y est. Elle est passée de vie à trépas. Eh ben, ils m'ont donné du fil à retordre, les... Hein? Bon. Pardon. Ah ah, la voie libre. Tout à... Oh, je l'ai vu le sac, je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un crâne des vases, ils l'ont défoncé. Ils l'ont déboîté. Ils l'ont pas tâté. J'ai le coffre très facile. Ah, oh, c'est bon ça. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Caverne de la folie de Berthoud. C'est la trappe de l'amour.
Je n'y n'ai pas le tequèche. Est-ce que je suis un joueur? Ah, c'est intéressant. Que se cache-t-il derrière la trappe? Vous montrer aura été votre dernière erreur. Et non, 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 c'est... Ça parle mal. Vous êtes tous les mêmes, vous autres les elfes. Tout dans la frime, mais incapables de vous énerver. Non mais la vache, mais... Ah, j'arrive à parer quand même. J'aime bien le... Oh. Non mais elle a gagné là. Elle a gagné parce que j'ai mal... Allez, là, je me suis mal pris, j'avoue. Yes. Ah, là c'est un rat, tout à l'heure c'était un loup. Non mais elle va me buter. Je rigole mais j'ai qu'elle va me faire la peau la vilaine. Le pire dont vous êtes capable. Pardon. Oui, je vais en récupérer un peu là. Ah non, pas des aciers, des fers. Ouais. Alors que non, j'ai des... Non, attends. Non, elles sont tout aussi lourdes les aciers que les fers, non? Je sais plus. Il me met dans le doute. Oui, c'est la même masse. Oui, oh crotte, allez, je peux les prendre. Ça me fera des flèches de réserve. J'ai gagné. Oh, il y a encore un truc. Ça y est, je suis fini, j'ai l'air dans la tête. Je suis la botte au musée. Oh, c'est un musical d'été. Oh mon dieu, je vois des choses. Oh mon dieu. Oh là là. Attends, je rêve pas, il y a double... Ah oui, il y a double endroit. Deux. Vous montrer aura été votre dernière erreur. Mais c'est sans fin, votre... Si vous voulez vous battre, vous allez être perdu. Tchou. Ah, il y en a un qui s'est fait planter. Mais c'était pas par moi. Mais c'est quoi ce corridor de fou, là? Imagine. Je vais me retrouver dans la contrée à côté, là, la contrée voisine. Mais... Attends, c'était quoi ce délire? Ah oui, d'accord, ok. Allez! Allez, je me défends bien. Hein. Allez, on joue. Attends, il faut quand même que j'ai de la magie de vie, sinon je suis mouru. Non, je vais mourir. Potion. Non, vous êtes en plein combat. Allez. Tente ta chance. Ah, oh oui, je l'ai eu. J'ai gagné. J'ai gagné, je l'ai buté. La fin de sa vie est arrivée. À moi tous les GG. Yes. La 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 la. Attends, mais quel était ce cadavre?
Non mais lui, il s'est fait déboîter. Chasseur de trésors morts, et tu m'étonnes qu'il est mort. Épée courte de fer rouillé, ouais, bon. Ouais. Ok. Il y a une onde de tête vert comme ça, c'était... Merde. Je suis mauvais. Bon bah je vais peut-être me faire un peu de potion. Un peu de potion magique. Oh, excusez-moi. Ah putain, mais il faut que j'arrête avec cette musique là, cette lobotomie appliquée, c'est une horreur. Bon, non, c'est pas ça que je veux, prout. D'ailleurs, je suis idiot, j'aurais dû regarder ce que je mettais comme ingrédient. Je veux du regain de magie ou du regain de santé. Tu vas voir que j'ai ni l'un ni l'autre. Ah, regain de santé. Regain de santé. Santé. C'est moche. Mais non, mais c'est dégueulasse. Bon, regain de magie. I. C'est où c'est? Oh, regain de magie. Bah oui, la graine de lin, la sacro-sainte graine de lin. Je l'ai dans le 1, voilà. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Je suis deg. Oh, j'ai même plus de potion de lumière. Oh là 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 là, ça y est, je suis foutu. Ah, je suis con, mais j'ai des torches. Mais qu'est con, je fais. J'ai complètement oublié que j'avais des torches. Oui, qui est là? Oui, qui est là? Oula. Ah, yes. C'est vrai qu'il est une partie supérieure là. Comment se fait-il que... Qu'est-ce que c'est? Hein? Qui est là? J'ai le chat. Miaou. Hein? Oui, qui est là? Qui la tequila? Tequila. Oh là là, tequila. Para 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 papa. Oh là là. Para 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 papa. Oui, qui est là? Tabara para. Para para para. Dum 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 dim. Ouh là là. Ouh là là, qui est là? C'est pas mal. C'est pas pour me déplaire.
Bon, voilà, je me suis restauré. Bon, la torche. Je baille honteusement, pardon. Mais il y a des lieux, faudra que je revisite en mode lévitation. Parce que là, j'ai pas trouvé l'escalier d'accès. Et puis, à vrai dire, au final, je m'en moque. Bon, moi, je suis dans la mouise par rapport à la magie. Il me faut plein d'ingrédients. Parce que j'ai consommé toutes mes potions. Est-il 10h de l'après-midi? Ah, je crois peut-être bien de faire mon somme ici. Voilà un petit dodo de 10h, je dis pas non. Bon, moi j'ai retrouvé la santé, c'est déjà ça. Mais c'est la magie qui me chagrine. La magie du démon. Qu'est-ce qu'elle fout en soutif, elle? Ah oui, plus jour maintenant. J'ai l'air con avec ma torche. Il est où mon cheval? Ah, il est en face. Eh oui, mon cher cheval, je suis dans la mouise. Faut que je fasse une grande cueillette. Je me serais grandement battu poil au cul. Ah, c'est une biche. Mais c'est quoi ce truc? Magas gazek ze Pokémon. J'ai les gonnés bas et lui là. Oula, faut que j'aille tout doux. C'est un... Ah oui, mais oui, mais d'ailleurs, attendez, excusez-moi du peu. Ah, mais il n'y a pas un forgeron aussi. Attendez. Je crois savoir qu'il y a un forgeron, je m'abuse. Si je ne m'abuse. Un forgeron. Quel lien? Ça, c'est du matériel de forgerie. Ah oui, où est le forgeron? Madame? J'ai de la chance d'être encore en vie. Oui. Vous avez mal choisi votre moment pour venir à Kvatch. Oui, j'ai compris. Martin? Si vous voulez parler du prêtre... Je ne crois pas qu'il ait réussi à sortir de la ville. Presque personne n'en est sorti. Mais Savlian Mathius en saura peut-être plus. C'est lui qui s'occupe des gardes qui défendent le camp. D'accord, merci. Justement, son sujet... Vous le trouverez à la barricade érigée en haut de la rue. Il tente toujours de maintenir la cohésion parmi les gardes restants. D'accord, chère madame, merci. Vous faites quoi, vous? Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Ah, mais c'est merveilleux! Il faut que je fasse avec vous. J'en bafouille. Ah, elle m'en parle des ingrédients.
Enfin, oui, tu me diras, vu les circonstances, je peux comprendre. Regain de magie, oh, c'est cher. Oh, c'est cher. Bon, d'accord, j'en achète un. Bien parce que c'est toi. Que veux-tu que je te dise? Non, je vais me garder la chair de crabe. Attends, je réfléchis. Non, ça prend une masse extraordinaire non plus. J'aime quand mes clients sont contents. Merci, pardon, c'est bien, c'est cool. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi. Et forgeron, s'il vous plaît. Ah, vous êtes forgeronne. Je n'arrive plus à trouver le sommeil. Comment les neufs ont quand je m'allonge et que je ferme les yeux. Les images se bousculent dans ma tête. Vous êtes une traumatisée de guerre, malheureuse. Je n'ai pas grand-chose. J'ai tout perdu. Non, il vous reste votre talent. Ressaisissez-vous. D'ailleurs, j'en ai besoin de votre talent. Si je ne peux pas réparer quelque chose, c'est que ce n'est pas cassé. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais. Merci, tu m'as sauvé. J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs. Je te crois. Oui, c'est vrai, les prix sont corrects. Pardon. Ah, je peux te demander des trucs, moi. Oh là là. Botte de fourrure, ouais. Oui, bah oui. Vous avez gagné une belle somme. Oui, je te crois. Oui, je me débarrasse de mes flèches. Bon, moi qui avais peur de manquer d'une lame pour faire un carnage, là j'en ai 5, donc ça devrait aller. Non, mais c'est cool. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Oui, avec plaisir. Taisez-vous. Pardon? Mais cette dame est folle, elle est vraiment traumatisée. J'ai cherché partout. C'est l'odeur surtout. Peut-être est-elle encore la fumée, dans le une feu. Cave. Et quelque c'est chose de pire encore qu'elle dans les ruines. Qu'elle ne vous cherche, elle aussi. C'est l'odeur surtout. La fumée et le feu. Quelque chose de pire encore dans les ruines. Dieu, je ne le remarque même plus. Comme quoi, on s'habitue à tout. J'ai cherché partout. Peut-être qu'elle est encore à Gvatch, dans une cave. Que voulez-vous? Vous cherchez quelqu'un? Le prophète? Je ne sais pas grand-chose de lui non plus. Simplement qu'il est apparu à Anneville peu de temps après l'attaque de la chapelle. Martin. Si vous voulez parler du prêtre, je ne crois pas qu'il ait réussi à sortir de la ville. Presque personne n'est sorti. Ah. Mais Savlian Mathieu s'en saura peut-être davantage. Il dirige les gardes de la ville qui défendent le camp. Ok, merci. Alors je vais filer dans la ville au-delà... Au revoir. On va dire au-delà du portail de...
Je vous connais, vous. C'est l'odeur, surtout. La fumée et le feu. Bienvenue, Akvat. Nous avons eu quelques ennuis, comme vous pouvez voir. Mais la boutique est ouverte. Oui, tu as une boutique ambulante, le prophète. D'après ce que tout le monde m'a dit, il affirme que l'attaque contre la chapelle d'Anneville annonce l'arrivée du mal. Si cela vous intéresse, vous devriez aller l'écouter vous-même à Anneville. On dit qu'il prêche chaque jour, par tous les temps, devant la chapelle. Déjà fait. Allez, à plus. Vous aussi. Merci. Je l'ai cherché partout. Peut-être qu'elle est encore à Kvatch, dans une cave. Oui, je crois qu'ils sont devenus... Ah bah, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Mais c'est un monsieur d'un grand âge. Il est complètement perdu. Ouh ! Qui êtes-vous, mon cher ? Bienvenue, Pèlerin. Le prophète. Il paraît différent des autres hommes qui se prétendent touchés par la grâce. Peut-être qu'il dit la vérité, et que l'attaque de la chapelle de Dibella n'est que le début d'un assaut contre l'église tout entière. Pardon, je bois. L'attaque. Les choses vont de mal en pis de nos jours. Des prêtres assassinés sur l'autel de la chapelle. Et qu'arrivera-t-il après ? Au revoir. Au revoir. Oh merde, je peux pas sauter. Attends, mais le cheval va attendre là, parce que c'est trop dangereux. D'ailleurs, faut que je remette mon habit de patatage. J'ai fini. Il ne reste plus rien. Yep. Ah ah, je passe sur un portail sans aller dedans. Terrible quand même. Ouais. Effectivement. C'est mal. Ok, j'ai clairement pas le niveau, ça fait plaisir. Ah, le malheureux est dans le portail. Ah, bah, ça... Comment c'est là-dehors ? On commençait à craindre qu'il n'y ait pas d'autres survivants. Bah...
c'est le chaos et c'est pas cool. Et Martin, il est où? Le frère Martin? Oui, il est là-bas. Il nous a conduits jusqu'ici au moment de l'attaque. Nous lui devons la vie. Ouais, bon. Au revoir! Non, 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 je reste avec vous un peu. J'ai de la chance d'être encore en vie. Ouais. Ah, il a vachement bien. Il a vachement bien géré. J'ai cherché partout. Peut-être qu'elle est encore à Gvatch dans une cave. Je regrette. Je crois que je ne vous serai d'aucune utilité. Non, 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 le prophète, ça te parle? Vous voulez parler du Saint-Ermite d'Anneville? Nul ne sait d'où il vient. Mais on dit qu'il transmet la vraie parole sacrée. J'aimerais aller l'entendre prêcher. Oula, c'est... Oui, mais bon, bref. Martin? Le frère Martin? Oui, il est là-bas. Il nous a conduits jusqu'ici au moment de l'attaque. Nous lui devons la vie. Oui, 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 c'est parfait. C'est un grand... Vous aussi. Ah! Vous amenez de l'aide? Nous sommes piégés ici depuis que les Dédras ont pris la ville. Oh là là. L'empereur m'a demandé de vous trouver. L'empereur est mort. Qui êtes-vous? Alors qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Martin, le prêtre, c'est ça? Oui, je suis prêtre. En cherchez-vous un? Dans ce cas, je suis désolé, mais je ne pense pas être en mesure de vous aider. Je ne comprends pas très bien à quoi jouent les dieux ces temps-ci. Si tout ceci fait partie d'une stratégie, je n'ai pas trop envie d'y être mêlé. Il y a un plan, nous en faisons partie. Quelle stratégie? De quoi est-ce que vous parlez? J'ai prié à Katoche tout au long de cette terrible nuit. Mais aucune aide n'est venue. Nous avons juste vu arriver de nouveau des draps. Qu'est-ce que vous pourriez avoir à me dire qui m'aiderait à comprendre tout ceci? Bah, vous êtes le fils d'Uriel Septime, le défunt empereur. L'empereur Uriel Septime? Vous pensez que l'empereur est mon père? Non. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Je suis un prêtre d'Akatosh. Mon père était fermier. Bon, l'empereur savait que vous étiez en grand danger et il a caché votre identité. Vous avez parlé à l'empereur avant sa mort et il vous a dit de venir me trouver? Pourquoi vous mentirais-je? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression que vous dites la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous me voulez? Venez avec moi au prieuré de Waynon. Non. Je suis désolé. Même si ce que vous dites est vrai, je ne peux pas abandonner ces gens à leur sort. Je vous accompagnerai lorsque nous pourrons tous partir ensemble. Oui, tu as raison. Mais je me vois mal... Ah, soupir. Bon, il est 11h du mat. Faites un pèlerinage à la pierre sanctuaire d'Akatosh sur la scène d'une bénédiction après un de ses hôtels sacrés. Oui, d'accord. Alors, il y a un rituel que j'ai pas compris, là. Quoi? Votre poids est juste sur la balance du gène aussi. Quoi? Je comprends plus. Effet actif. J'ai pas compris. Alchimie, j'ai quel niveau? 57. Yeah. Je suis un bon. Ah, il y a des trucs à visiter en sous-sol. Porte de la nef. Porte de la crypte. Oh. Y a rien. Porte en bois.
Ah oui, il y en a qui dorment. D'accord, c'est des chambres pour les réfugiés. Ah oui, c'est bien joué. Oh mon Dieu. Un bureau. Papa, yippa. Ah là là, les pauvres. Celui-là, je l'ai fait. Ah non, j'ai pas fait. Non, bah allez, je pense que je l'ai fait. Oh, qu'est merdier. Meilleur après moult combat. Du coup, qu'est-ce que je fais? Donc je suis à Xat. Oh, tu parles.
Clairement que j'augmente de niveau et puis que quand je trouverai la limitation, j'ai déjà plein d'endroits à revisiter. Comment les neufs n'ont-ils plus laissé cela se produire? La chance d'être encore en vie. Serait-il en colère contre nous? Cheval. Pouche cueillette. J'ai la pouche cueillette. La belle gamote. Il connaît bien moi la belle gamote. C'est pas comme s'il était de notre. Voilà. Bon. Regain de santé, j'ai pas. Oh là 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 là, je suis tristesse. J'ai rien en regain de santé, mince. Ah si, ça. Ah. Oui, on est d'accord, ça fait une réduction de magie, ça va pas. Réduction de magie. Regain de fatigue. Là, ça fait pas ce qu'il faut. Regain de fatigue. Poireau, ça va être pareil. Bah oui, forcément. Oh, mais je suis nul. Je suis déception. Qu'il y a un chemin juste à côté de là où je suis. Ah bah oui, c'est le chemin pour aller Oh, il y a plein de feuilles aussi, mais de fleurs. Cueillette, mon pauvre cheval. Je fais de la et puis c'est pas comme si je barrais la route en plein sur la voie de circulation. Tout à récolter. Hein, dis-vous. Et je m'écouterai, cher architecte, je m'installerai ici. Je mettrai une maison sur pilotis, histoire, parce que la flotte, bonjour, ça doit faire ruisseau. Au niveau du ruissellement, forcément. Mais hop, sur pilotis, tac tac, je me ferai une baraque, ce serait sympa. Enfin non. Ah, du mûrier. Putain la vache, il y a des rochers qu'on tronche.
Putain, mais c'est génial! Les fleurs qu'il y a à récolter. La petite coyette de l'alchimiste, c'est le bonheur. Les graines de lin, elles sont merveilleuses, les fleurs roses là. C'est le bonheur. Du coup, je ne désespère pas de me faire une potion. Ou de vie, ou de magie. Oh mince! Décidément. Merde, oui, tant pis. Bien fait pour ma tronche. Ah, j'ai du regain de santé. Bien. Plaisir. Non. Alors, regain de magie. Est-ce que j'ai un truc en regain de magie? Oui, bah les graines de lin. Et après, j'ai rien d'autre. Ah, c'est terrible ça. Oh là 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 là. Dur, 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 la chimie, dur. On va faire la récolte. Ah, il y a un loup. Ici le vilain loup. Ah, ouh, ça fait mal ça. C'est vertigineux. Tu fais pas gaffe où tu mets les pieds. Et tu chutes. Oh là là. Il y a des végétaux tout partout. De la Chine et d'un colis. Stylé.
Eh ben dis donc. Ah, tranquillement les jouets de la cueillette. Au milieu d'un cadre champêtre, je veux tout cueillir. Oh, facochère. Un facochère. C'est costaud un facochère, je trouve. Ah bah voilà, rien de santé, c'est merveilleux. J'ai trouvé mon ingrédient qui me manquait. C'est horrible. Non mais c'est vrai en plus. Hop, chair de sanglier. Rien de santé. Alors ça fait quoi? Ah, fortification de santé. Sympa. Non, ça je m'en fous. Ça, ça fait rien. C'est parce que ça vient faire là, mais bon. Non plus. Alors attends, regain de santé. Dégâts de rapidité, ok. Ah, oh, c'est dingue ça. Non plus. Mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Oh là là. Mais non, mais non, mais non. Ah oui, la fortification de santé en même temps. Ça, c'est stylé, je trouve. Le truc qui dope à mort. Vous allez savoir ce que son père veut dire. Ah non, c'est pas mon cheval. Ah, voilà, l'anime. Donc change de d'arme. Ma dague elle fait pas beaucoup de dégâts. Elle déjà elle est mieux. Voilà, oui elle est beaucoup mieux. Oui bah c'est une dague quoi. C'est tout. Je suis déception. Et pouf, sur le cheval. C'est quoi? Ah, oh, mais ce sont des biches.
je vais le calmer là. Je vais vous découper en morceaux. T'es où? Ah, le loup. Ah, il s'est fait buter par... Ah ah, non, je le crois pas. Le loup a gagné le duel. Ah. What? Un match pour moi. Il m'a fait super mal avec son... Alors ça par contre c'est une surprise. Oui, je veux bien essayer ma super potion de la mortitude. Ah ouais. Ah oui, ma potion elle est wouh. Ah, pas mal la robe de moine blanche. Je veux bien la robe. Je veux bien tout d'ailleurs, là pour poil. Il y avait qu'à pas m'attaquer l'autre. Oui, j'allais dire, il a la dague là où je pense. oui, bouf. Qui bouf, bouf. Alors le... Ah non, oui, non, ça c'est le bandit, le loup, d'accord. Il a de la bonne loup. Il a de la peau de loup. Oh, le carnage au niveau du pont, toi. Tu te demandes ce qui s'est passé. Allez, où je me barre. Fait nuit. Enfin, presque. Ah non, j'attaque pas mon cheval. Ville grenade. C'était censé impressionner. Alors, votre lame talent accru. J'adore quand ils font ça en plein combat. Les coupures et les entailles reçues lors des longues séances d'entraînement au maniement de toutes les lames ont porté leurs fruits. Vous êtes maintenant un compagnon en lames. Votre puissance d'attaque latérale peut dorénavant désarmer l'adversaire. Pour remplir cette attaque puissante, appuyez longuement sur attaque. Et après c'est lisible parce que c'est hors cadre. En vous déplaçant à... Merci. Ah! Y'a trichure. Y'a trichure. Y'a trichure. Oh, la mandale que je lui ai mise. Vache. Ouf. Décapitation. Ah, tu m'as fait peur mon cheval, mais qu'est-ce qui t'a pris? Il a voulu me faire un bisou. Il a voulu me réconforter. Mais il m'a fait peur. Attends, je cueille quelques fleurs et j'arrive. Hop, tuc, 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 tuc. Rotation, hop, c'est petit. Arthur, c'est la nuit. Qui est là? Qui a parlé? Mais... ça va pas, non? Mec, oh, l'autre est... Ok, vite gredin là. Allez, frappe, excite-toi va. C'est juste mon échauffement, pathétique. Effectivement. Elle a une pression aussi.
Eh bien, quel est le problème? Ouf! J'ai envoyé valser la dernière mandale. Oh, ces bottes valent du pognon. Yeah. Genre bière en fourrure, je sais pas non. Allez hop. Pardon, j'ai marché sur un truc. Ah, le bouclier de fourrure. Ouais, oh. C'est un bouclier quelconque. Hein. C'est bien, t'es en pleine forme, mon cheval, c'est cool. Oh, toutes ces fleurs. Toutes ces flowers. Oui, bah c'est une ville. On va arriver en ville et puis on va aller dormir. C'est le... Là où je t'ai acheté, mon grand. C'est un plaisir de vous voir. Oui, plaisir partagé. Mais j'aimerais ouvrir le... Je suis David, de l'exploitation viticole sur Illy. Gaston est mon frère. Nos vignes produisent le meilleur vin de Tamriel. Ah bah c'est votre frangin que j'ai dû voir. Mieux que chez Tamika. Ah, la provoque. L'autre, il me l'a dit, oh, Katie Mini. Honnêtement, non. Des rumeurs. J'adore vraiment les gâteaux roulés de Salmo, la boulangère. Un jour, j'avais un de ces gâteaux roulés sur moi quand trois gredins m'ont attaqué. Alors, j'ai pris le gâteau et... Tu l'as mangé? Bon, bref. À plus. Au revoir. Attends, le cheval va faire dodo là, il a mérité un bon dodo après tout ce que je lui ai fait subir. Merci, c'est trop aimable. Voilà. D'accord, il ouvre toutes les portes. Bon allez, fais dodo mon cheval, ici tu seras à l'abri. Et oh, il est fou. Puis de nuit, il part dans la forêt. Allez, moi je file en ville. Retourne arrive en ville. Alors, je peux dormir à la guide de démarche gratos. Bonjour, oh elf. Bonjour, je sais pas qui. Qui est absolument charmant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, on dirait plutôt bonne nuit. Moi je vais aller me pioter, mes amours, je suis crevé, au figuré comme au propre. Il n'y a pas que dans le jeu que je vais aller dormir, dans la vraie vie aussi. Ah oui, fini la guerre, stop. Oh là là, oui non, je garde mes pompes quand même, mais bon. Ah là là. Non, en robe, je suis space. Oh, quelle est belle. Ah, le bandeau, c'est... Non, non, la robe en bleu. Oh là là. Oh, mais elle est divine. Elle est divine, cette fille. Oh là là, là là, regardez comment je me la pète. Oh merde, il y a encore des flèches. Attends, je retire les armes et puis... Pourquoi j'ai des... Ah oui. Oh, regarde. Bonjour. Undena Oreti a de très belles tomates. Sans doute parmi les plus belles de Cyrodiil. Au moins, vous savez qu'on dise Daedra ou Dedra, c'est du pareil au même. Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. C'est vrai? Absolument. Vous avez appris, Pogfatch? On raconte que des Dédras venus d'Oblivion l'auraient totalement rasé,
C'est affreux. Oui. Où est Hertor? Je ne l'ai pas vu dernièrement. Au revoir. Prenez soin de vous. Je me suis fait snobber comme c'est pas permis. Ah si, j'ai le droit à une chambre, allez hop. Rien à foutre, je dors. Ah oui, j'ai mérité un bon repos. C'est un plaisir de vous voir. Oui, j'ai partagé le lit avec une... bon. On a la même robe. Que voulez-vous? Presque. Des rumeurs? Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. Oh, c'est possible. Ah, le guide des mages. Vous trouverez au moins une personne offrant des sorts dans chaque guilde locale. Allez voir chacune des guildes pour vous assurer de ne pas les manquer. D'ailleurs, il faudrait que je traite avec l'alchimiste. Où est l'alchimiste? Vous aussi. Toi, tu es... Non, tu es pas l'alchimiste. Tu es un mage sort. Bonjour. Bonjour. Poursuivez, je vous prie. Est-ce que tu vends... Non, des rumeurs? Certains disent que Traven se sert de son statut d'archimage à des fins personnelles. J'ai cru entendre ça il n'y a pas une minute. Vous aussi? Oui, bien sûr. Ah mon dieu. Bon alors, il est où l'alchimiste? Elle est partie dormir ailleurs. Je rêve. Bon bref. Oh là là, stylé. Non mais franchement, c'est stylé. Bon, allez, je ferme les chambres, dormez. Bonjour, ô elfe. Oui, salut à toi. Pourquoi tu vas pas dormir? Bah, tout le monde dort en pleine journée. Ah, au moins on se relaye. Alors, notre alchimiste de renom, il est où? Ah, il est mal, alchimiste. Oui? Non, je déconne. Tu vends des... Regardez ce que j'ai à vendre. Il y a forcément quelque chose qui vous plaira. Ouais, tu vends des sorts. Donc honnêtement, c'est pas les sorts qui m'intéressent. Des rumeurs. J'ai vu Hertor tout à l'heure. On dirait que quelqu'un l'a encore secouru. Cachez vos parchemins pendant que vous le pouvez. Ouais. Bon, à plus. Adieu. C'est ça. Oh, il n'y a pas d'alchimiste, je suis dégoûté. Bon, on reprendra un autre jour. Je sauvegarde. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Mais de dos pour de vrai. À la prochaine pour le 9e épisode. Des bisous.